Hey, salut les frérots, c'est Willbox. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, vidéo qui change complètement des vidéos habituelles. Parce qu'aujourd'hui, on va se retrouver sur une vidéo en session VR aujourd'hui sur Assetto Corsa Competition. On est sur le circuit de Spa-Francorchamps. On est 24, 25 avec moi au départ. On est parti pour une course de 15 minutes avec la BMW M4 GT3 de 2021, toute dernière voiture qui vient d'arriver sur le jeu. Du coup, on est parti. C'est une course alors contre l'IA, hein. Pour la première, parce que ça fait un moment que j'ai pas remis la main sur Assetto. J'ai dit, on va peut-être pas gâcher le plaisir de conduite des joueurs en multi. On va se faire ça avec l'IA. Parce que moi, mes performances, je m'en fous, mais je veux pas gâcher celles des autres. Donc, on est parti pour 15 minutes. Ouais. Hop, on va mettre le contact. On va démarrer le véhicule. Voilà, première. Allez, c'est parti. Alors, c'est les départs lancés. Hop, je vais baisser. Je vais régler mon traction control et mon ABS. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. J'ai été, ça changera un peu ce genre de vidéo. Des vidéos habituelles. Parce que bon, c'est vrai que on faisait un peu toujours la même chose. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ça faisait un moment que j'avais pas fait de VR. Donc je me suis dit, c'est le moment de reproposer du contenu là-dessus. Moi, ça faisait vraiment aussi que j'avais pas roulé d'ailleurs en VR tout court. Donc c'était l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Vous présenter du contenu inédit. Et moi, remettre la main sur le monde de la VR qui, pour moi, est vraiment un monde fantastique quand on y a goûté, honnêtement. Je sais pas pour vous, mais moi, franchement, depuis que j'y ai goûté, les jeux de simulation comme ça, j'ai du mal à rouler autrement qu'en VR. Pourtant, je pourrais, hein, j'ai un écran plat, un grand écran. Mais je préfère rouler en VR parce que, on connaît tous les avantages de la VR, c'est déjà l'immersion et surtout la précision dans la conduite. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira. Donc là, on va essayer de s'appliquer un peu parce que... Ouh, c'était limite là. Intérêt à faire gaffe, j'ai pas les freins ni les pneus bien bien chauds encore, même si c'est déjà pas mal. Faut quand même faire gaffe, surtout que là on est plus ou moins tous collés, donc un carambolage est vite arrivé, frérot. Oui. On est 9e. On va, ouais. On va pas faire du forcing parce que sinon ça va pas le faire. À 3 sur le gauche, ça va pas passer, hein. C'est sûr et certain. Prendre le temps. On a 15 minutes, enfin la 12 maintenant, 13. Oh lui, je l'avais pas vu à droite. Ah ouais, c'était sûr qu'il allait me faire l'intérieur. En même temps, j'ai pas sécurisé ma place. C'est pareil, on va pas jouer au casse-cou. On va assurer le coup. Alors je m'excuse si la qualité du micro
est pas aussi bonne que dans les autres vidéos, mais je suis obligé de record ma voix avec le micro de mon casque. Et du coup, forcément, c'est pas la même qualité que mon micro sur perche. Et bon, encore ça va, il n'y a pas de mauvaise qualité. On va dire que c'est potable, frérot. On modifiera ça au montage, manière d'améliorer un petit peu. Bon, par contre, là, je me fais un peu latter, là. Ouais, je suis pas bon dans mes trajectoires. Je suis pas bon du tout. Même sur mes freinages, je suis pas bon. Je suis trop brut. Et lui, on va y faire à la spi. Voilà. Je sais qu'il passe à fond. Ouh. Ah, c'est un embouteillage, les gars. Non, referme pas. On va le faire au freinage, lui. Non, non, pas lui. J'avais pas prévu de le faire, lui, donc. Ah, c'était un freinage un peu bourrin. Ça a pas passé. Ça va mal finir. Aïe, 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 je sais même pas comment c'est passé, là. J'ai essayé de me décaler à gauche pour lui laisser le plus de place possible. Pour éviter de le toucher et qu'on se sorte, mais honnêtement, j'étais pas sur le bon coup là. Allez, 7ème. L'idéal, ce serait qu'on finisse dans le top 3 déjà. Ah, déjà, quand on se concentre mieux, bizarrement, ça va mieux. C'est drôle, hein? C'est pareil, la voiture je la connais pas encore bien, celle-là. En plus je remets la main sur le jeu avec un nouveau véhicule. Bah alors là, c'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied dès le départ. Encore ça va. On reprend vite ces marques. Plus maintenant qu'ils ont incorporé le DLSS dans le jeu. Franchement, ouh, c'est limite là. Franchement, ça fait vraiment toute la diff, surtout en VR. Après, dites-moi vous dans les commentaires si vous jouez au jeu et est-ce que vous ça a changé quelque chose, le DLSS, que ce soit sur simple écran, triple écran ou VR. Moi, honnêtement, j'ai une bien meilleure fluidité en VR avec le DLSS. Là je l'ai mis à fond, en plus j'ai mis je l'ai mis sur qualité ou ultra qualité, je sais plus, une qualité je crois que c'est le plus haut. Après niveau réglage du jeu, je suis en VR épique.
Donc franchement... c'est passé. Ouah, je sais même pas comment c'est passé. Là, ça, c'est ce qu'on appelle du freinage in extremis, hein, frérot. On va pas faire ça à chaque tour parce que sinon, il nous arrive des problèmes. C'est un miracle que celui-là il se soit bien terminé déjà. Allez, cinquième. Ouais, c'est combien 6 minutes, ça va. On a de quoi remonter, on a le temps, du moins. Si on fait pas d'erreur, on a le temps. Allez, on va rester concentré. Celui-là, je sais jamais comment le prendre. Parce qu'au mieux que je le prenne en première ou en deuxième. Je pense que la première est plus adaptée. Oh, comment elle se balade. Heureusement qu'elle décroche pas, parce que franchement... Si elle avait le malheur de décrocher, mais je pars en sucette, frérot. Franchement, elle est pas mal, elle te... 7M4 GT3 là. Autant l'esthétique, j'aime pas du tout. Les nouvelles calandres là, énormes là, franchement, je trouve ça horrible. Autant je reconnais que niveau efficacité, il y a vraiment rien à dire. Elle est nettement plus facile à conduire que la M3. M3 ou M6? Je sais plus. M6, je crois. Enfin, l'autre BM du jeu, du moins. Je sais plus si c'est une M3 ou une M6. Je crois que je regarde. Non, je crois que c'est une M6. Je crois que c'est la M6 GT3. Hey là, je commence à reparler, je commence à me déconcentrer et à faire de la merde. On va se concentrer un peu plus. Lui, je pense qu'on peut l'avoir largement. Manière de finir au moins troisième. Là, on va y aller au culot. Ouais, c'est passé. Heureusement que c'est contre l'IA parce que franchement, ça en mode multi, laisse tomber. Vas-y frérot, mais non! T'es sérieux? Mais non, en plus il m'a fait caler quoi. Non! Non, sur quoi on est planté? Ah non, vas-y, je suis planté sur le vibreur, parié. Oh, je suis dégoûté, quoi. Oh là là. Mais non. Alors ça, les gars, c'est ce qu'on appelle... du gros fail. Oh,
Oh là là, je suis dégoûté, je suis planté sur le. Sur le vibreur quoi. Oh là là. Bon ben écoutez les frérots, je crois qu'on va en rester là. Pour cette première vidéo, je suis désolé. Mais là, c'est pas la peine. De toute façon, on a tout perdu. Je vais pas recommencer, sinon ça va reprendre 15 minutes. Donc, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo reprise de la VR vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu. Ça me fera plaisir et ça me donnera de la force. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications si vous voulez voir d'autres contenus de ce style sur la chaîne. Je vais m'y remettre là un peu à la VR, donc il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Et si vous voulez acheter vos jeux moins chers, il y a un lien en description sur, vers Instant Gaming pour vous proposer des jeux avec de belles réductions. Donc allez-y, ça vaut le coup, franchement. Il y a de belles remises, de bonnes affaires à faire. Donc, n'hésitez pas. Le lien est en description de la vidéo. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les amis.